L'antenne communale de l'échange Cameroun à Massangam a un nouveau chef. Amadou Mocham a été nommé il y a quelques jours par le directeur général des élections en remplacement de Gilles Bengambé, désormais sans poste. Ce mouvement qui ne visait que la commune de Massangam survient peu après les incidents nés des soupçons de fraude préélectorale dans cette localité du département du Noun. À travers cette décision, l'organe en charge de l'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaire au Cameroun veut-il montrer sa bonne foi de mener sa mission en toute transparence? L'on serait tenté de répondre par l'affirmatif, mais des acteurs politiques de l'opposition ne sont pas de cet avis. On ne peut juger la transparence ou la neutralité de l'ECAM à partir d'un article isolé, puisque ce qui s'est passé à Massangam n'est pas un fait isolé. À l'époque, il y a un qui avait transporté le kit pour aller inscrire dans le littoral, un kit Bamboutos. Mais après, on a fait la même chose, on l'a envoyé à l'ECAM régional. Mais aujourd'hui, il est encore retourné, on l'a encore retourné dans le Bamboutos. Pour eux, l'ECAM a beaucoup de points à élaguer pour dissiper les soupçons de connivence avec le régime en place qui pèse contre lui. C'est bien déjà de démettre un agent interne qui a fauté, mais également il faudrait permettre aux partis politiques qui, de par la loi, si on veut se référer aux articles 26, 50, 51, 52 même, qui sont conviés à participer activement au processus de révision des listes électorales, d'y participer normalement. Tous ces gens de l'ECAM, à 90%, sont recrutés par les pompes du pouvoir. Et quand ils les recrutent, ils sont leur service. Quand vous recrutez quelqu'un, il est chef d'antenne chez vous, mais il doit vous rendre service. Toutefois, selon ce militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'indépendance de l'ECAM est un fait et ne saurait faire l'objet de débat. L'ECAM, l'organe régulateur, joue son rôle. Quand il y a un peu quelque chose qui peut déranger l'ordre public, l'ECAM peut bouger entre les lignes. Je pense que c'est des actes de souveraineté qu'on ne saurait commenter, mettre à l'article de X ou Y. À moins d'un an des prochaines élections au Cameroun, le climat de confiance entre l'ECAM et tous les acteurs du processus électoral est manifestement loin d'être acquis. Sur les listes électorales, nous sommes ici à Bonabéry, Carrefour Musique, au niveau de l'école Carrefour de Bamendjou. Voilà. Carrefour de Bamendjou. Tous les citoyens se bousculent autour des kits mis à disposition de l'ECAM ce jour. Et les citoyens veulent s'inscrire sur la liste électorale. On remarque le personnel de l'ECAM assez lent, qui ne maîtrise pas assez l'outil informatique. Mais les Camerounais sont décidés et chacun veut partir d'ici avec sa carte, avec son récépissé, qui lui donnera droit aux élections. C'est bien ma fille, cache ton visage, il n'y a pas de problème. Non, je filme le rang, je n'aime pas le rang que je filme que le rang. Oui. Le rang qui m'intéresse. Qui est très collaborante. Alors vraiment, ça nous va toujours au cœur. Les Camerounais ont pris conscience. Ils ont pris conscience du fait que nous devons changer les choses en 2025. Donc, allons faire inscrire massivement ce fichier électoral. Oui. Nous devons être acteurs du changement, notre propre, choisir notre propre dirigeant. Oui, nous devons choisir notre maire, choisir notre député. Chacun a le droit de le faire. Et ceci, ce n'est pas la détention du cadre électoral. Ne perdez plus le temps, chère population.
Ne remettez plus à demain. Ne remettez plus à demain. Ne remettez plus à demain. Toutes les femmes, toute la jeunesse, sortons. À l'école, la revue présentement, elle est quand même là. Voilà. Sortez. Sortez. C'est gratuit. Et ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas du temps. Juste en 2 minutes. Avec votre scène, vous faites annuler ce fichier. Voilà. Allez, là, c'est le fair play. Je vais bien avoir son. Ceux qui sont assis, ils ne savent pas.